Merci. Voilà, donc je rappelle hein, que tous les groupes sont invités à aller poser la question que vous avez retenue, parce que je vois qu'il y a au moins un groupe qui n'a pas posé sa question, donc n'hésitez pas. En attendant, voilà, on a déjà identifié une première question, notamment des groupes 3 et 5 qui étaient assez proches, voilà, qui étaient plutôt destinés aux deux finalement, hein, qui venaient interroger vraiment les liens entre les deux intervenants. Et qui s'interrogeait un peu sur la dimension politique qui a été évoquée sur la fin de ces premiers échanges, et notamment le constat que notre fonctionnement démocratique actuel paraît pas adapté et paraît pas à la hauteur des enjeux que vous nous avez présentés. Donc finalement, voilà, comment on pourrait induire un changement radical dans le contexte politique qu'on connaît? Quel contexte politique serait plus favorable? Est-ce qu'il y a d'autres modèles existants sur lesquels on pourrait s'appuyer, s'inspirer? Voilà, donc vraiment sur cette question de quel système politique pour engager le changement radical qui est nécessaire. Donc voilà, c'est destiné aux deux. Donc je vous laisse voir qui s'exprime en premier. Merci. Guillaume, tu veux commencer? Comme tu veux. Ah, c'est comme tu veux. Moi, ça me dérange pas du tout. Vas-y, je t'en prie. Moi, j'ai une capacité de réponse à cette question qui est extrêmement, extrêmement limitée, parce que c'est une question que je me pose 10 fois par jour et je ne sais pas. Je fais partie, et j'espère, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'espère me tromper. Je fais partie de ces gens qui, aujourd'hui, pensent que la démocratie ne survivra pas à la situation. Je n'y crois pas. Je pense que la démocratie porte en elle, en tout cas la démocratie telle que nous la vivons depuis quelques décennies, hein, la démocratie de la Ve en France et la démocratie à l'anglo-saxonne aujourd'hui, porte en elle une partie de la responsabilité de la situation actuelle. Et du coup, je vois pas du tout comment on peut sortir de ça et qu'est-ce qu'il faut inventer? Il faut inventer, je ne sais pas, quelque chose à réfléchir ensemble. Pour moi, c'est vraiment une question très, très, très difficile. Mais parce que j'ai pas non plus les armes conceptuelles qui me permettent de penser à ça. Guillaume, probablement, il réfléchit beaucoup mieux que moi. Sur les bah, de but en blanc, c'est bien sûr très difficile de répondre à cette question. Après, ce qu'on constate, c'est que sont aujourd'hui sur la table des pistes d'action et de propositions qui sont, sans être complètement nouvelles, ont en commun de ne pas se dire qu'il faut aller chercher un modèle, ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, et je pense que face au constat qu'établissait Gilles, aucun système politique n'a de leçon à donner aux autres, hein, de manière absolument évidente. Par contre, en gros, il y a la crise climatique fait que des vieilles questions politiques sont remises sur la table. Par exemple, il y a un courant, alors qui n'est pas un courant dominant, mais qui est un courant qui existe, qui renoue en fait avec une pensée de l'anarchisme, du communalisme et du retour au local. Hein. Les écrits de Murray Bookchin, par exemple, ont été connaissent une espèce de regain d'intérêt et d'actualité avec cette idée que il y a en fait une nécessité de repenser la structure même des institutions et de se débarrasser de l'État, entre guillemets, donc avec un ultra retour au local. On a aussi des pistes qui condamnent aussi l'État par le haut en disant que tant qu'on n'aura pas des leviers d'action internationaux forts, et ben en fait, et qu'on laissera dans la main de démocraties représentatives extrêmement, extrêmement contestables ou de régimes autoritaires les leviers de l'action environnementale, on ne s'en sortira pas. Après, voilà, moi je reviens toujours à mes trucs de rapport de force. C'est-à-dire que, y a eu 30 ans dans l'histoire humaine hein, où le capitalisme a été régulé hein, entre 1945 et 1975. Et que ce n'est pas un hasard, c'est qu'il y a eu à un moment donné une conjonction de volonté politique et d'ampleur des mouvements sociaux et des mouvements partisans qui ont fait qu'on a pu à un moment donné dire stop et créer des systèmes de contrôle internationaux du capitalisme, hein, que ce soit Bretton Woods, que ce soit la non-indépendance des banques centrales, que ce soit ouais, ou la nationalisation des banques, enfin, des solutions qui ont pu permettre à un moment donné d'avoir la main sur ce que faisait l'économie de marché. Parce que c'est quand même ça dont on parle, hein, quand on parle des solutions politiques. En fait,
je pense que, comment dire, le spectre de l'autoritarisme environnemental, où on allait tout d'un coup contraindre tout le monde, je pense que tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure amène à dire que CEX qu'il faut contraindre à changer de modèle, ce n'est pas forcément les gens lambda, hein. C'est quand même les détenteurs du capital, c'est quand même les intérêts économiques dominants, c'est quand même ceux qui ont façonné très largement le système de représentatif à leur image. Et du coup, le point commun de tout ce que je lis, en tout cas sur les pistes de solutions, ça amène à considérer que la démocratie est moins abordée comme un modèle, comme un système politique ou un système de régime qu'on pourrait discuter. La démocratie, c'est aussi une force qui traverse la société et qui amène finalement à expliciter les dissensus, à dire sur quoi nous ne sommes pas d'accord et sur quoi nous sommes d'accord dans des logiques d'autodétermination, locale, nationale, pourquoi pas internationale, pour être en mesure, à partir de cette capacité à expliciter les dissensus, à prendre des décisions collectives. Et du coup, ce courant-là, qui, en gros, de la démocratie comme une force qui pousse les gens à se mêler des affaires publiques et à se mêler de ce à quoi on leur dit qu'ils ne doivent pas se mêler, en disant « dormez tranquillement, des gens gouvernent ». Et voilà ce moment où on va être capable de dire « non, en fait, il n'y a pas des gens qui gouvernent et des gens qui sont gouvernés. En fait, la situation est trop grave et il faut reprendre au sérieux l'idée de la démocratie ». Et se dire que là, on a besoin, à un moment donné, voilà, d'expliciter ce qui nous divise, d'expliciter ce qui nous rapproche, et d'essayer de dire, finalement, qui va payer quoi dans le prix du changement. Quoi. Voilà. Et du coup, je ne sais pas vers quel modèle on va. J'en ai absolument aucune idée. Je pense que personne n'en a aucune idée. Mais il y a des questions de fond quoi, qui se posent sur ce qu'il faut l'État, ce qu'il ne faut pas l'État, parce que l'État n'est pas le même partout dans le monde. Et pourtant, voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question qui est un peu massive, mais en tout cas, c'est ce que ça m'inspirerait. Quoi. Sur un point que tu as abordé, je pense qu'il y a une difficulté à une échelle très macro, hein, une échelle globale. Il y a une difficulté aujourd'hui qui est très profonde, que met en exergue finalement les problèmes, notamment climatiques et de biodiversité, qui sont en face de nous. C'est l'inadéquation institutionnelle de l'ONU dans les mécanismes de négociation et de décision à l'échelle globale. C'est, pour moi, c'est un des problèmes. Alors, pour le coup, c'est un problème sur lequel, à titre individuel, je ne vois pas bien comment agir, mais à l'échelle collective, à l'échelle des États-nations, évidemment, des parties de l'ONU, évidemment, c'est là que ça se joue. Pour moi, le point de blocage majeur à l'échelle macro aujourd'hui, c'est l'ONU. Tant qu'on est dans des cycles de discussion qui n'ont aucune implication coercitive à l'échelle des États-nations, on est dans quelque chose qui donne l'illusion, quelque chose qui joue à faire semblant, et qui par construction du mécanisme lui-même de décision, de discussion, ne peut par définition aboutir sur aucune décision. Et là, pour moi, il y a un jeu qui est dangereux, parce que au-delà de l'inefficacité du système, c'est également une source de démoralisation et finalement de renoncement collectif. On voit bien que le problème du CO2, de toute façon, quand il y a du CO2 qui est émis à un endroit sur la planète, en l'espace de quelques jours, il est diffusé à l'échelle de la planète. Donc la question des biens privés et des biens publics à l'échelle de chaque État-nation, à la rigueur, est non pertinente pour essayer de traiter. La question, par exemple, de la forêt amazonienne, est-ce que c'est une propriété du Brésil? Est-ce que c'est une propriété de l'humanité? Est-ce que c'est… etc. On voit bien que dans le cadre onusien, cette réflexion-là est par définition congelée. On ne peut pas avancer là-dedans. Et ça, je pense que c'est un piège terrible à l'échelle internationale. Je me tourne vers les organisateurs. Du coup, on prend d'autres questions, parce que je vois que le temps file, parce que à la fois, je suis extrêmement tenté d'embrayer sur l'ONU, mais je ne voudrais pas non plus… Tu vas voir, Guillaume, elles se complètent, elles vont compléter là où vous en êtes. Une des questions là où qu'on a peu abordé depuis tout à l'heure, c'est la place du numérique. Et il y avait un groupe qui avait une double question, qui est à la fois le numérique, est-ce qu'il permet de faire plus démocratique
si, est-ce qu'il permet d'aller chercher plus de gens ou au contraire, est-ce qu'il éloigne une partie de la population de la démocratie? Et quelle est la place du numérique dans la crise environnementale? C'est-à-dire, du coup, comment on met cet objet-là numérique dans ce problème-là de crise sociale et crise environnementale? Alors, je veux bien commencer, là pour le coup, parce que j'ai deux ou trois diapos qui vont fixer quelques ordres de grandeur qui, à mon avis, sont importants pour réfléchir à cette question-là. Dans l'idée de ce que l'on peut faire ou pas faire pour essayer de sortir du bazar ambiant, il y a évidemment, Guillaume a beaucoup insisté là-dessus, l'idée que il y a des actions possibles à l'échelle individuelle, avec tous les travers qu'il y a, les travers politiques notamment qu'il y a, parce que suivant le type d'individu auquel vous avez affaire, la réponse n'est pas forcément la même, et que généraliser tout ça n'a pas grand sens. Et puis, il y a évidemment des réponses à l'échelle collective. Alors, pour essayer de voir ça, il faut d'abord essayer de voir, à titre individuel, qu'est-ce que je fais, moi, qu'est-ce que j'introduis dans le système. En France, en moyenne, un individu, c'est environ 12 tonnes de CO2 émis par an, hein, par les machines qu'il utilise pour faire ses différentes activités. Il y a un quart de logement, il y a un quart de transport, il y a 16% d'alimentation à peu près, autres services, etc. Si on veut rentrer dans la problématique de dérive climatique, si on veut éviter le pire à tout prix, c'est-à-dire rentrer dans les objectifs COP21, qui à peu près arriveraient à réguler les choses à l'échelle planétaire, il faut qu'en France, on passe de 12 tonnes émises par personne et par an à 2 tonnes émises par personne et par an. Okay. Donc, il faut drastiquement diminuer ce truc-là. Donc, commencer par identifier. Mais là où je veux en venir, en fait, avec ce truc-là, c'est qu'évidemment, à l'échelle individuelle, on peut identifier toute une série de choses qui sont faisables à différents niveaux. Ces actions individuelles ne résoudront aucun problème. Aucun problème parce que, au mieux du mieux du mieux, ce levier d'action individuelle, c'est à peu près un quart de la solution. Les trois autres quarts sont purement politiques. C'est de l'action collective à l'échelle des États-nations et à l'échelle internationale. Mais c'est là que je veux en venir. À l'échelle individuelle, évidemment, notre consommation, notre addiction au numérique est évidemment un point sur lequel on peut se dire qu'à titre individuel, on pourrait peut-être essayer de jouer. Alors, juste à ce niveau-là, quelques chiffres. En 2020, le numérique, c'est le cinquième consommateur mondial d'électricité. Après les USA, la Chine, la Russie, le Japon, il y a le numérique et juste derrière, il y a la France, à l'échelle globale. Le numérique, de fait, à l'échelle mondiale, c'est exactement la même chose que la totalité du transport routier mondial en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est considérable. Bien sûr, c'est que 4%, mais en global, c'est absolument considérable. Et c'est d'autant plus considérable que ce numérique en question, 80% de la dépense énergétique liée au numérique, c'est du pur loisir. C'est du pur loisir, c'est du Netflix, c'est du YouTube, c'est du Facebook, c'est du Twitter, c'est énormément de porno. Enfin, c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir avec de l'activité, je dirais, économique au sens classique du terme. Rien que pour la France, l'utilisation d'Internet, c'est autant d'électricité que 21 millions de Français sans Internet, c'est-à-dire un tiers de la population. Ça vous donne un petit peu l'ampleur de ce truc-là. De fait, le numérique occupe déjà une partie gigantesque de notre consommation d'énergie mondiale, et c'est vrai aussi pour la France, et avec des saloperies de type 5G, parce que c'est une véritable saloperie, ça ne va faire qu'exploser dans les 10 ans à venir. On est sur des prévisionnels conservateur d'une augmentation de 10% par an, c'est-à-dire d'une multiplication par 3 de l'énergie consommée par le numérique dans les 10 ans à venir. C'est totalement, totalement délirant. Il n'y a quasiment aucun secteur des activités humaines qui augmente autant que ça aujourd'hui. Alors, le souci, c'est que ce numérique-là, plus on progresse dans ce numérique et plus on crée de nouveaux usages qui augmentent encore plus la consommation énergétique que ce que ce numérique nous permet d'économiser de l'énergie. Parce qu'évidemment, vous avez derrière tout ça des personnes qui vont vous dire le numérique, c'est une optimisation de la dépense énergétique des machines, c'est de l'intelligence artificielle, c'est etc., etc., etc. Mais en réalité, les progrès qui sont technologiques qui sont réalisés à ce niveau-là se traduisent in fine toujours par une augmentation, malgré le fait qu'on a des objets qui consomment individuellement de moins en moins,
Comme il y a de plus en plus d'objets, au final, le total, c'est exactement comme pour nos voitures. Aujourd'hui, une voiture consomme 2, 3, 4 fois moins d'énergie que ce que le faisait une voiture au début du XXe siècle, sinon même plus que ça. Et au final, les voitures, collectivement, n'ont jamais autant consommé d'énergie. Du coup, le numérique, à mon sens, et je ne suis pas le seul à avoir cette idée-là en tête, le numérique, en réalité, n'est en aucun cas une partie de la solution, c'est en réalité une partie du problème qui se présente à nous. Et à ce niveau-là, on peut craindre, moi j'aime beaucoup l'exemple que je vais rapidement maintenant vous présenter, du paradoxe, parce que c'est un paradoxe, de l'intelligence artificielle. D'un point de vue d'un solutionnisme technologique, l'intelligence artificielle, ça a l'air d'un truc absolument magique. On peut se dire, ça va optimiser de très nombreux processus énergivores, on va faire plein d'économies d'énergie, etc., etc. En réalité, l'intelligence artificielle, en tant que telle, est un processus hyper énergivore, qui fait qu'on ne compensera jamais par les économies d'énergie induites par l'intelligence artificielle, on ne compensera jamais, en tout cas pas à un horizon réaliste, peut-être à l'échelle de 3 ou 4 siècles, oui, mais bon, à un horizon de quelques décennies, on sait qu'on ne compensera pas par l'intelligence artificielle les économies d'énergie qu'elle permettra de faire. Et un exemple magnifique pour ça, je trouve, c'est l'exemple des programmes d'intelligence artificielle qui permettent de jouer au jeu de Go. Vous avez peut-être entendu qu'il y a quelques années de cela, un ordinateur a enfin battu un champion de jeu de Go grâce à un programme d'intelligence artificielle. Oui, mais le programme d'intelligence artificielle consommait 1000 kWh, représentait une puissance de 1000 kW, alors que le programme de l'être humain qui a été battu représentait 25 kW. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équivalent de 40 000 cerveaux humains qui ont battu un cerveau humain. Et vous voyez bien qu'à ce niveau-là, on a des déséquilibres énergétiques qui font qu'en réalité, le numérique ne fait qu'aggraver année après année la situation dans laquelle on est. Ça, c'est purement factuel. Après, il y a des lectures politiques sûrement complémentaires de Guillaume là-dessus, notamment en termes d'inégalité et d'inégalité sociale dans l'accès à cela, qui ne fait qu'encore plus amplifier les inégalités qui existaient avant cela. J'ai apporté quelques éléments, mais en fait, vraiment pour repartir de ce que Gilles vient de dire, la question c'est qu'est-ce qui fait, en fait pour quelqu'un comme moi, le numérique, ça n'existe pas. En fait. Le numérique c'est une technologie dont le développement dépend de son insertion dans tel ou tel modèle économique. Et cette frénésie numérique, elle est portée par une logique de rente en accélération et qui vient très largement de la privatisation en réalité du numérique, qui fait que pourquoi on met à disposition autant de contenus pornographiques inutiles sur Internet parce qu'il y a des gens qui en tirent des profits à court terme. Voilà. Et donc, le numérique en tant que tel, en fait, est pris dans des logiques, encore une fois, capitalistes et aussi des logiques gouvernementales, qui fait qu'en tant que tel, c'est, de mon point de vue, c'est ni un problème ni une solution. En fait, c'est la question de ses usages, en réalité, de ce qu'on veut lui faire faire. Et le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'on veut faire du numérique, ce n'est pas un débat. Il n'y a pas de débat sur ce qu'on veut faire du numérique. On nous dit, le numérique, c'est là. C'est un point, c'est tout. Et il n'y a rien qu'à voir l'espèce d'hystérisation du débat sur la 5G à chaque fois que des mairies ou n'importe qui freine un peu en disant, oh là là, je sais qu'il y a la ville de Poitiers qui veut faire une convention citoyenne sur la 5G avec l'aide de la Commission nationale du débat public, ce que je trouve plutôt aller dans le bon sens. Et du coup, ça m'amène aussi à l'idée de la civic tech, c'est-à-dire est-ce que finalement le recours au numérique libère des énergies démocratiques dans la société. Et là encore, alors là, je me permettrai de mettre une ressource sur le pad plus tard. Il y a la revue Réseau, qui est une très bonne revue d'information et communication, qui vient de sortir un numéro sur ça, sur la gouvernementalité numérique, c'est-à-dire comment le numérique est mis autant au service, on va dire, de capacité d'expression de la population que de capacité de contrôle de la population. Et ce qui se joue aussi dans la marchandisation des outils numériques et dans leur utilisation et de leur mise en place. On sait aujourd'hui que dans les entreprises, les systèmes d'application les systèmes d'applications numériques sont autant destinés à permettre aux salariés de s'exprimer que de contourner les syndicats.
ses travaux, qui renseigne ça très très bien hein, sur voilà, tout ce que vous permettez, en ce que l'application génère de la participation individuelle, hein, toujours et encore et toujours et encore individuelle. La recréation de collectif en fait est très compliquée par ces civic tech. Et on a aussi bah, des marchands de civic tech qui veulent remplir le frigo, ce que je comprends tout à fait hein, pour vouloir remplir le mien aussi, mais qui du coup ben bah, voilà sont le numérique est forcément formaté sous une certaine manière, rend possible. Il y avait Romain Badoir, hein, qui est un des spécialistes de ces questions, qui parlait de public fort et public faible en disant voilà, le numérique va quand même permettre à des publics forts, donc des gens qui savent s'en servir et puis qui ont leur propre intelligence de ces usages-là, beaucoup plus facilement que le public faible. Donc il n'y a pas de miracle technologique dans la démocratie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le numérique. Souffle un vent de fraîcheur dans les mouvements sociaux. Ça, c'est absolument indéniable. Donc, tout n'est pas à jeter hein, dans la progression en termes de démocratique, mais encore et toujours, hein, faire la part des choses en fait, entre les différents usages à notre disposition et savoir quelle est la part de débat qui est accordée en fait, sur ces choses-là. Et franchement, on parlait de la Convention citoyenne, l'assurance avec laquelle Emmanuel Macron désavoue la Convention citoyenne sur le dossier de la 5G me semble quand même un indicateur fort du fait qu'on n'a pas le droit en fait, de vraiment débattre sur le numérique. Donc, peut-être qu'il faut... Et alors là, je suis très nul parce que j'ai des copains et des collègues qui sont à fond sur ça et qui me disent « Mais enfin, tu ne peux pas avoir un comportement numérique que... » Voilà, moi, je regarde YouTube comme un débile le soir. Je regarde Netflix. Enfin, je suis vraiment complètement irresponsable numériquement et je me fais engueuler par des gens. Donc, je réalise aussi la marche de progression qui serait la mienne. Mais c'est un indicateur aussi sur la grande, grande difficulté à faire exister un débat contradictoire sur la progression du numérique. C'est hyper difficile. Et ce débat contradictoire, si on ne l'arrache pas, si on ne l'impose pas, quitte à passer pour des amish, eh ben, il ne sera jamais accordé. Quoi. Et parce que là, on est vraiment aussi dans le... Vous voyez, quand on cherche à redéfinir les évolutions du capitalisme, hein, on parle vraiment du capitalisme de plateforme et cette idée que... Vous voyez, c'est un truc tout con, mais aujourd'hui, le développement numérique et de l'intensification des équipements numériques et qui engendrent de la pollution atmosphérique est devenu cardinal parce que tous les bateaux, toute la circulation mondiale des bateaux, qui est le point nodal du système capitaliste, est géré par ordinateur. Et que s'il y a un problème là-dessus, ça devient une catastrophe pour le libre-échange économique. Et donc, on est à ce niveau-là d'intensité, d'urgence et d'intérêt autour de ces trucs-là. Donc, effectivement, si on n'introduit pas, si on n'impose pas un débat, il ne nous sera pas accordé. Quoi. Ça, c'est clair. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On vous propose... Ouais, désolé. Non, mais pas de souci. C'est très intéressant. On vous propose un peu une question combinée avec différents éléments qu'on a appris ça et là. Je trouve que cet enjeu du numérique, elle est assez emblématique d'un mouvement de balancier que vous avez évoqué sur la dimension individuelle, dimension collective. Et là, on voit que sur le numérique, on bascule assez vite à nouveau sur moi, individuellement, qu'est-ce que je peux faire ? Arrêter de regarder Netflix. Alors qu'on a vu avec la diapositive de Gilles que quand même la dimension collective, elle était très importante. Et finalement, qu'il y avait un vrai enjeu à repolitiser quand même ces questions. Des questions là qui nous traversent aujourd'hui. Et donc, il y a au moins un groupe ou deux qui se posaient la question de comment on arrive à passer de cette surresponsabilisation individuelle à réellement une action collective. Voilà, quelles sont les étapes, comment on arrive vraiment à repolitiser, à redonner des dimensions collectives à ces questions-là. Et puis, du coup, en complément, Mélanie. Ouais, et du coup, là-dedans, il y avait la question des étapes. Et nous, dans les centres sociaux, on parle souvent de pas proximal, qui est le plus grand pas qu'on peut faire. C'est pas le tout petit pas, mais c'est non plus le grand pas où on pourrait se casser la figure. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est ça pourrait être quoi notre pas, là, collectivement, proximal pour commencer une première étape pour faire changer les choses. Définissons un programme d'action en plusieurs étapes pour mener une révolution. Enfin, c'est ici que ça va commencer. Voilà, c'est ça. Si je peux juste... moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas vraiment raisonner en termes d'étapes, mais plutôt en termes de convergence.
C'est-à-dire que ce qu'on sait en sciences politiques des processus révolutionnaires, c'est qu'ils correspondent à un alignement de crises sectorielles. C'est-à-dire que des endroits de la société qui craquent pour des raisons très différentes et qui finissent par s'aligner autour d'une nécessité de changement général. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à tenir un discours sur le fait que le liant entre les gilets jaunes et les quartiers populaires, ça peut être l'environnement, en fait. Et que le méta-problème qui unit tout le monde, c'est quand même celui-là. Et qu'en déroulant le fil de l'environnement, on en vient autant parler des classes populaires pauvres, des blanches, des zones périphériques périurbaines, aux quartiers populaires noirs et maghrébins des grands ensembles. Et du coup, je pense que comment dire, j'ai tendance à pas forcément raisonner en termes de conscientisation. Je pense que la conscientisation, elle vient par l'action et les tentatives de résoudre les problèmes concrètement. C'est-à-dire, quel est notre problème ici et maintenant ? C'est un peu ce qu'on a observé sur les gilets jaunes ou qu'on observe dans les actions de community organizing. C'est-à-dire, on part d'un point très précis, hein, les fenêtres qu'il faut changer ou l'essence qui est trop chère. Et dans la mobilisation, l'enquête sociale mène souvent à la question climatique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu fonctionner à plein sur les gilets jaunes et c'est ce qu'on voit très souvent fonctionner autour du registre de l'écologie populaire. Donc, moi, plutôt, ma question, c'est comment on fait pour créer des communautés de problèmes entre toutes ces sphères de la société qui sont en train d'exploser en même temps. Et comment est-ce que ces explosions, parce que une des grandes passions du gouvernement, c'est d'opposer les crises sociales en disant, en opposant les populations et en disant, il y a une partie des pauvres qui a raison, une partie des pauvres qui a tort. Et puis cette partie des pauvres, elle nous pose problème, donc on va plutôt la valoriser. La question en termes de mobilisation et d'action, c'est plutôt d'essayer de circuler entre les mondes. Alors je me rends bien compte que ça apporte pas beaucoup de solutions à toute votre nébuleuse qui est présente aujourd'hui, parce que vous êtes pas concentré, vous êtes pas partout, quoi. Enfin, vous êtes concentré sur certaines zones de la société. Mais du coup, je pense que la première étape, c'est ça. Et comment dire ça ? Moi, je ne considère pas que les partis politiques et les syndicats, c'est des trucs du vieux monde, quoi. C'est que ces outils-là aient été dévoyés et vidés de leur substance, c'est un fait indiscutable. Mais après, on n'aura pas bien le choix, en termes d'organisation collective, que de repasser par ces cases-là. Sous une autre forme, hein, peut-être, pas forcément de réinvestir ce qui existe, mais créer des mouvements, on va dire, qui circulent dans les différentes zones de la société et qui organisent collectivement quelque chose pour aller prendre le pouvoir et pour aller, à un moment donné, gagner des majorités, je vois pas bien quelle autre voie suivre non plus. Et je pense que tout se réglera pas juste dans l'action sociale de proximité, quoi. Je sais que vous en êtes tous convaincus, mais voilà, je pense que là, il y a aussi une très, très lourde responsabilité du militantisme un peu plus classique qui me semble être… Alors, c'est sûrement moi qui ai mes œillères de politiste et qui n'arrive pas à raisonner en dehors de ces structures intermédiaires d'organisation collective. Mais tant qu'on n'a pas retrouvé un chemin vers ces organisations intermédiaires d'action collective, je vois pas bien où on va. Alors, je peux peut-être vous proposer peut-être quelques éléments qui vont, à mon sens, qui ne sont pas du tout contradictoires, mais qui sont assez différents de ce que Guillaume peut répondre ici. J'ai essayé dans ma petite présentation, j'ai essayé de vous montrer, c'était peut-être pas suffisamment explicite, que en fait, la colonne vertébrale du monde dans lequel nous sommes, à mon sens, hein, c'est encore une fois, c'est là aussi avec mes œillères à moi, pour le coup, la colonne vertébrale de notre monde est structurée autour de notre capacité à produire et à utiliser de l'énergie. On est dans un monde, on est incapable de penser notre monde aujourd'hui en dehors d'une dynamique de croissance, de production et de consommation énergétique qui, derrière, enclenche tout le reste. Et enclenche tout le reste, y compris très profondément, d'un point de vue social,
jusqu'à notre propre définition, par exemple, de la désirabilité d'un futur ou du bonheur. Notre définition collective du bonheur aujourd'hui est complètement indexée à notre capacité à consommer de l'énergie. Quand bien même, on ne s'en rend pas du tout compte. Et ça va très, très loin. La discussion en cours sur l'évolution du régime des retraites, à mon sens, est symptomatique de ce truc-là. Pour moi, c'est une discussion qui est totalement surréaliste. Surréaliste. Parce que c'est une discussion qui s'inscrit dans un paradigme de croissance de la consommation énergétique. C'est une discussion qui, dès le départ, pose comme axiome, nous aurons 2 à 3% de croissance économique annuelle qui sont la conséquence directe d'une consommation accrue d'énergie de 2 à 3% par an. Et ça n'est pas discutable, et ça n'est pas une question, c'est une affirmation, c'est un postulat de base. Et là-dessus, on réfléchit ensemble, bien ou pas bien, je ne suis pas compétent pour le dire, mais on réfléchit ensemble sur comment est-ce qu'on peut organiser notre régime de retraite dans ce paradigme d'augmentation de notre consommation énergétique qui enclenche tout le reste. Ce truc-là est complètement surréaliste, à mon sens. Parce que je ne vois pas comment est-ce que, à un moment ou à un autre, de façon volontaire, il y a peu de chances vu comme c'est parti, ou de façon subie et contrainte, malheureusement, ça semble être le plus probable, nous n'allons pas devoir collectivement passer par une réduction, une diminution de notre consommation d'énergie. Et ce jour-là, ce moment-là, c'est un moment qui durera plusieurs années, hein, ce n'est pas un instantané, ce moment-là sera d'une violence inouïe dans toutes nos sociétés. Dans toutes nos sociétés, parce que, encore une fois, la colonne vertébrale de notre système, c'est la croissance, notre capacité à produire et à consommer de plus en plus d'énergie. Pour des raisons, entre autres, de climat et de biodiversité, mais pas que ça, mais entre autres de climat et de biodiversité, la dérive climatique que nous sommes en train de construire va nous rendre la vie totalement impossible. Nous devons, parce que sinon c'est le chaos climatique qui nous l'imposera, nous devons réussir à décroître en énergie. Comme sur Terre, il n'y a pas suffisamment de ressources pour remplacer les 80% d'énergie produite par du pétrole, du charbon et du gaz, de les remplacer par des énergies non productrices de CO2, fatalement, on va passer par une étape de quelques décennies au minimum, de décroissance énergétique. Et cette décroissance énergétique sera une décroissance économique en termes de richesse. Tant que nous continuons à penser le bonheur de notre monde dans toutes les facettes de ce que vous pouvez mettre derrière le terme de bonheur, le bonheur des groupes, le bonheur des tribus, le bonheur des individus, le bonheur, peu importe. Tant que ce truc-là sera annexé à notre capacité de croître économiquement, qui est elle-même annexée à notre capacité de produire et de consommer de l'énergie, nous allons dans le mur. Nous allons dans le mur d'une violence systémique qui va être ingérable. Pour moi, c'est peut-être l'élément de raisonnement qui m'inquiète le plus, finalement, aujourd'hui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on sort de cette pensée unique de bon fonctionnement de notre société, quels que soient les bémols qu'on peut y mettre, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir sur nos systèmes politiques, économiques, etc. Bon fonctionnement de la société égale croissance économique, égale croissance de consommation d'énergie. Cette équation-là, il faut qu'on trouve le moyen de la briser. Il faut qu'on trouve le moyen de la casser. Et ça, ce n'est pas des oxymores de type de croissance durable, développement, croissance verte, développement durable. Tout ça, ça nous empêche de penser le réel. Tout ça, c'est des pièges, des pièges intellectuels, à mon sens. La croissance ne peut pas être durable. Penser une croissance infinie dans un monde fini, c'est une absurdité physique que n'importe quel élève en physique, en lycée, est capable de démonter. Ça n'a aucun sens. Le paradigme économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, le système néoclassique, libéral, néolibéral, post-libéral, peu importe à la rigueur la façon dont on l'appelle, pense le monde comme une source infinie de ressources et d'énergie qui n'est pas un paramètre limitant du développement de nos sociétés. C'est de ça, à mon avis, à mon sens, dont il faut sortir. Arriver à prendre individuellement et collectivement la mesure du fait que dans un monde fini,
on ne peut pas croître de façon indéfinie. Et de fait, quand on observe, alors à des échelles non pas globales, mais à des échelles plus locales, régionales, dans l'histoire des effondrements de groupes humains, des effondrements de sociétés, c'est toujours, le livre de Jared Diamond, Effondrement, est remarquable pour ça, et puis des gens comme Joseph Tainter également ont très bien analysé ce genre de choses, c'est toujours des problèmes d'hypercroissance énergétique et d'hypercroissance de notre rapport aux ressources environnantes qui ont causé historiquement la perte de nos sociétés. Et aucun solutionnisme technologique ne peut résoudre ça, parce que le solutionnisme technologique, c'est précisément ce qui nous a mis dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un problème qui se présente à nous, on invente une solution qui implique encore plus de consommation de ressources et d'énergie. Et à chaque fois, la barre à sauter est encore un petit peu plus haut. Et ça, dans un monde fini, ce n'est pas tenable. Mais très bien, merci beaucoup. Je vois l'heure, donc je pense que là, on arrive à la fin des échanges. Il n'y a plus d'autres questions ou il y en a encore. Vous savez que les questions qui ont été posées, et Gilles et Guillaume ont proposé d'y revenir sur le pad de la Réunion. Donc, du coup, on va conclure là cette visioconférence. Je vois que plusieurs personnes disent, bon, alors maintenant, on fait quoi? Bon, ben super, du coup, je vous remercie très, 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 très fort et très chaleureusement pour vos apports, pour tout ce qu'on a pu échanger avec vous, ce que vous avez pu partager avec nous, des constats qu'il faut quand même, dont il faut prendre conscience justement pour faire face au réel qu'il nous faut. C'était la question, dans quel monde on se trouve? Les étapes d'après, ça va être qu'est-ce qu'on veut faire ensemble maintenant? Quel futur désirable on veut construire? Comment on va y parvenir? C'est encore une question ouverte. C'est la question qui est ouverte justement à la fin de vos interventions et c'est très bien comme ça. Je rappelle ou je reprécise ou je le précise parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, je ne me souviens plus, mais tout cela a été enregistré. Donc, sera accessible en vidéo, on pourra y revenir, on pourra se le repasser, le digérer individuellement tout seul, même si ça consomme un tout petit peu d'électricité malheureusement. Mais bon, voilà. les présentations aussi seront partagées. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes du groupe de préparation. Je vais les citer, donc il y avait, puisque certains sont là et vous les voyez en petite, enfin moi je les vois en petite image là au-dessus de mon écran. Donc il y a Mélanie Rousset pour l'Union régionale Auvergne-Rhône-Alpes des centres sociaux. Il y avait Frédéric Bourgeois et Fabien Bressant de la Beaucité. Jeanne Boury et Garance Andréis du mouvement associatif aussi qui ont contribué, Lucie Pelos, Julie Donjon pour l'IREPS, et pour le GREN, Élise Ladevez, Aurélie Alvado, Noémie Huy, Benoît René et moi-même avons participé à l'organisation de cette visioconférence. On vous remercie tous et tous, bien sûr, d'y avoir participé. Il y aura des prochaines étapes, il y en a déjà une qui est fixée au 11 mai prochain. On va réunir principalement les équipes salariées et les conseils d'administration de nos 5 structures. On va essayer de voir comment on transforme tout ça, pas forcément en plan d'action tout de suite, mais en tout cas en perspective commune. On vous tiendra au courant, bien sûr, et il y aura d'autres invitations qui seront lancées à vous tous et à vous toutes pour pouvoir y contribuer. Et enfin, pour conclure, je rappelle, enfin, je voulais juste dire que bien sûr, le PAD et toutes les ressources là qu'on va être enrichies dans ces prochains jours et donc seront toujours accessibles. Et puis, on vous propose aussi de vous exprimer sur le bilan, de donner votre bilan, votre ressenti de la visioconférence. Donc, je ne sais pas, vous voyez, peut-être certains sont encore sur le PAD. Donc, tout en bas. On vous propose de répondre à un formulaire qui est en ligne, dont vous pouvez cliquer sur ce lien. C'est un formulaire totalement accessible aux participants qui vous permettra donc de donner vos ressentis à quelques questions qui sont posées. Il y a juste quelques minutes pour y répondre. Et puis, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez écrire sur le pad de manière tout à fait libre. Votre mot de la fin, comment vous avez vécu cette conférence, comment vous vous sentez après tout ça. Et puis, on se dit au revoir, on se dit merci et on se dit à très bientôt parce que la décennie de l'action
elle commence maintenant et il faut qu'on se mobilise tous les uns les autres.